Marion Gamma, inoubliable Huguette dans la série Scène de ménage, est décédée à l'âge de 84 ans. C'est sa fille Virginie Ledieu qui a annoncé la nouvelle. Elle n'a pas donné plus de détails, mais a révélé que sa maman était morte de vieillesse à son domicile en région parisienne. Marion Gamme était fatiguée depuis plusieurs mois, ce qui l'avait amenée à décider de ne pas participer au tournage d'un prime spécial de Scène de ménage en Corse. Georges Belair, qui avait joué avec elle dans un épisode, avait même révélé qu'elle avait quelques soucis de mémoire. Certains se demandaient même si elle souffrait d'Alzheimer. Mais Gérard Hernandez, qui avait joué avec elle et incarné le personnage de Raymond, avait été très clair à ce sujet. Marion Gamme ne souffrait d'aucune maladie. Il était agacé de voir circuler de fausses informations à propos de sa grande amie et avait donc tenu à rétablir la vérité. Il dit « C'est faux, archi faux. Je connais Marion depuis plus de 50 ans. C'est ma partenaire depuis 11 ans. Et il est évident que nous ne sommes pas aussi frais qu'il y a 50 ans. Il est évident que nous avons un peu plus de mal à apprendre nos textes. Mais de là à dire... ça, de là à dire qu'elle avait Alzheimer, c'est faux. Je suis outré. » Un message clair de la part de son grand ami.